Et revoilà le river, mais ce fois-ci en 60 images par seconde. C'est dans cette configuration qu'il se tient le mieux. Car oui, les cartes graphiques de l'an 5000 ne sont pas encore arrivées. Alors, ah zut, ma configuration n'est toujours pas bonne au niveau des contrôleurs. Donc on va faire un petit tour au niveau du panorama. Hop, voilà. Alors, c'est ici où j'avais étalonné mon fauve avec mes deux VR covers l'un sur l'autre, sans le cache d'origine du G2 pour avoir le meilleur fauve, avoir le buisson et le tronc d'arbre le plus éloigné sur la droite. Voilà. Bon, enfin, en 60 Hz, ça tournera forcément mieux que le 90. Alors, je me fais pas trop de soucis sur le. Alors, bonjour le petit corbeau. Habituellement, en fait, il était en train de voler, mais à même le sol, comme lui là. Mais en permanence. Sauf que le bug, apparemment, a décidé de disparaître. Remplacé par beaucoup d'autres, bien sûr, car Bethesda étant quand même renommé en bug, hein, il faut pas qu'ils perdent leur leadership. Ils rigolent pas là-dessus, hein, ils sont sérieux. Hein. Alors, la zone du gouffre à FPS se rapproche parce qu'il y a un arbre, deux arbres ou tout simplement une ombre. En général, ça fait disparaître les FPS. Eh bien, non, les images par seconde n'ont pas disparu, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, mon vaisseau spatial imaginaire là-bas, hop, ok. Bon bah ça tourne très bien, 0,4 de reprojection, c'est assez phénoménal. En deçà des 1%. Voici donc à Plaza Immobilier ou Plaza Atomique, ou comment vous vendre le paradis alors que l'enfer est tout autour de vous. Ah vas-y, vas-y, je te gêne pas ma cocotte, je vais pas te gêner. Il y a tellement de choses à faire d'intéressant ici dans le Commonwealth. Tu peux bien te divertir comme tu veux. Alors là, normalement, là où il y avait la maison, c'était aussi une zone de gobage. Ça avalait tout, quoi. Il suffisait en fait de gravir les fondations. Ou se retrouver devant la Power Armor, et là c'était la misère. Et ben là, ça marche très bien. Alors on va passer derrière Mama Murphy, parce qu'apparemment l'intelligence artificielle est leurrée et elle m'envoie pas ses conneries. Alors on a toujours le lit qui l'évite, hein, c'est une technologie post-apocalyptique. Alors lui il est en train de fixer quelque chose là, avec son flingue, pour taper inlassablement sur cette même dalle. Et là il m'ignore, parce que normalement en général il se plaint tout le temps. Ouf. Oh non, je suis passé devant. Bah oui, regarde, ça se voit que ça ressemble à une vraie maison. Je préférais vivre dans le petit cabanon plutôt que dans le... Ah, là on aurait cru en fait le bruit d'une maison qui venait de s'écrouler, un peu comme certaines d'ailleurs. Voilà, donc forcément, quand on décide de vivre ici au lieu de vivre dans l'abri qui est juste plus loin, eh ben c'est qu'il vous manque une case. Hein. Ouais. Des hommes de science et des lieux d'éducation. Il doit certainement en rester. Alors là, j'ai les contrôleurs au lieu en fait d'avoir les flingues qui apparaissent. C'est pas mal. C'est pratique au moins. C'est pratique. Je suis sûr que si je relance le jeu, j'aurai pas les contrôleurs. Mais bon. On va rester comme ça. Ça me va très bien. Sauf pour viser, peut-être que c'est quand j'aurai un combat. Ça risque d'être problématique. Mais bon. Bah, tout se passe bien dans le monde de Fallout quand on est en 60 FPS sur Reverb G2. Alors là, on va voir notre chien imaginaire, Dogmeat, qui ne veut pas quitter cette station-service auprès de laquelle il doit avoir une attache particulière. Hein. Ouais.
Là, on est dans la fluidité et rien ne vaut la fluidité en vert. Oh mon Dieu, je viens de dire fluidité et le mot magique a fait que nous avons perdu nos 60, nos sacro-saintes 60 images par seconde. Catastrophe. Allez hop, là par contre. Suis derrière vous. Alors, hop, si on se balade à Good Neighborhood, à mon avis, ça va pas le faire. On va peut-être pas avoir les 60. Alors, c'est une grosse baraque, voilà, c'est ça. Hop. Good neighbor. Je regarde mon écran et là non, la fenêtre du jeu ne s'est pas affichée en plein milieu, histoire d'avoir à tout recommencer. Alors, ça tourne bien. Forcément, on est à l'intérieur des murs. Donc je suis curieux de savoir s'il va me raconter encore la même blague. Monsieur Chapeau, là. Monsieur Chapeau, s'il vous plaît. Monsieur Chapeau, Je une crois que histoire. Whitechapel Charlie cherche quelqu'un pour un boulot, si ça vous intéresse. Ils Ok. sont au troisième rail. Au troisième rail, Whitechapel Charlie, c'est gentil. Ah, c'est la crise, alors forcément, on trouve pas de travail. Heureusement qu'on tombe sur des gars sympas à Good Neighbor, l'endroit le plus malfamé du Commonwealth. Mais il y a des gars pour vous brancher en fait sur des boulots. Voilà. Le jeu dans le jeu, qu'est-ce qu'on s'amuse pendant les loadings? Alors, le lance-flamme est conçu spécialement pour les combats prolongés. Il inflige des dégâts d'énergie soutenus et peut réduire une cible en cendres. C'est incroyable, des flammes, des cendres. Ouf. Voilà, c'est gentil d'avoir chargé. C'est coincé les doigts dans la porte encore une fois. Girls, girls, girls. Ah, mais il y a le clébard, je vais devoir combattre. Comment vais-je faire? Eh ben voilà, hop. Alors une balle, hein. Voilà. Tout va bien. On a la baballe, il a pris la baballe le chien. Il est content, hein. Regardez comme il était beau. Il était tout joli. Oh. Alors, super mutant, il me semble. Et pas super mutant. Et je me rappelle plus si j'étais allé à droite ou à gauche. Ah, peut-être que j'étais passé par là. Ah, oh, bah non, j'étais pas passé. Je les avais pas combattus, ces trucs-là. Tu crèves pas, toi, ou quoi? Elle est gentille, Thérèse, mais elle est un peu lente à la. À la détente, justement. Donc, j'étais pas passé ici pour me faire canarder. Donc, ça devait être par là. Voir les lumières. Hop, hop, hop. Non. Ah, peut-être que si, peut-être que oui, peut-être que non. Je ne me rappelle plus du tout par où j'étais passé. Bon. On va passer. Si, je crois. Wow, il me semble qu'il y avait un effet des. Ouais, c'est ça, oui. Oh, bah oui, il y a Yogi-Yo là. Oh là. Nounours. Alors, ça, c'était magnifique. Je sais pas si. C'est la première fois que je le vois. Le tremblement de la mort. Ah, ces enseignes sont magnifiques. C'est la première fois en fait que je m'attarde après des centaines d'heures à avoir joué dans le jeu. Alors, on va voir nos amis les débiles. Bonjour. Mauvaise pioche. Boum. Quoi? Il a perdu la tête. C'est la faute à Suzette. Repose en paix. Ah, une grenade. Petit canaillou. Bah. Non, mais c'est qui voudrait me faire foirer mon enregistrement, celui-là? Sale go, bah. Alors, est-ce que je peux ou pas? Non. Il veut vraiment pas. Hein. Oui, on a de la visite, mais on s'en fiche, on est pressé, Piper. Allez, hop. Alors. Attends, là, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que tout autour, en fait, du casque reverb, j'ai un halo blanc et bleu.
comme ça. Waouh! Alors, est-ce que ça vient du jeu? Faudrait que j'essaye ça tout de suite avec autre chose parce que c'est inquiétant. Ah, c'est flippant, ouais, il y a une délimitation. Ah, merde. Excusez-moi là, je. Ouais, non, il va pas vouloir me laisser partir parce que j'ai un ennemi juste en face là. Voilà. Et derrière aussi. Oh, mince. J'aurais donc dû les tuer. Non, 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 laissez-moi me téléporter. Je veux me téléporter. On s'éloigne de la zone de combat et espérons que la folle ne... Alors, tac, 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 tac. Bienvenue à Fallons. Et là, je l'ai pas, par contre. J'ai pas le contour noir et blanc. Bleu, hein, blanc et bleu. Durant le loading. Oh la vache, encore un joli bug dédié peut-être uniquement à... Ah non, ça marche, je l'ai pas, là. Oh là là. Tête de nuit. On a un souci. Non, ça s'appelle des chiens errants. Enfin, des chiens mutants errants. Albinos. Alors, il est où le chien? Chien, chien! Oh merde, j'ai... Et voilà, désolé. Non mais, je... Oh merde. Robert, 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 ça m'aidera, ça m'apprendra à vouloir jouer les bons samaritains. Alors, où est-ce qu'il va, en fait, me renvoyer, là? Enfin, 60 FPS, c'est génial. Voilà, on joue sans déplaisir, on n'a pas les problèmes d'à-coups. Alors, et là, oui, là, sur ce niveau-là, j'ai du blanc et du bleu. Bon, tout autour, en contour, c'est impressionnant. Alors, il va falloir que je fasse le tireur d'élite pour défoncer celui qui est là-haut. Bon, Piper, amène-toi là, pas que ça à foutre. Waouh. Hop. Là, j'ai entendu une balle siffler, donc est-ce qu'il va être d'accord pour me renvoyer à Fallons? Fallons. 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 Hello. Ah, ok. Ouf. Alors là, il y a de l'aliasing au niveau de l'alambic, tout ça, hop, et donc, en jouant, je pense, en 130%, ça devrait faire tout disparaître, mais par contre, ça va avoir un impact. Bon, alors, clébard, toi, pas embêter les gens. Ok, donc là maintenant on va avoir notre ami le super mutant avec sa bombe. Camaraden, comme Zimit, comme Zimit. Repose en paix. Ah, ils sont deux là. En même temps? Oui, deux. Oh non, 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 connasse, repars en arrière là. Voilà, merci, c'était gentil à fou. Ah, la bombe atomique. La bombe à hydrogène. Or, je tire à côté, non? Pourtant, je voyais des flaques de sang. Qu'est-ce que c'était? C'était rien, c'était juste des radiations après qu'on ait fait exploser deux bombes atomiques. Il est méchant, le monsieur. Ah. Donc, il va falloir qu'on félicite nos amis ici. Hop, rapidos.
Voilà, tout va bien, ils se foutent royalement de ce qui se passe à l'extérieur et qu'à 50 mètres d'eux, il y a les super mutants qui viendront les manger. C'est formidable, ce jeu est incroyable. Incroyable! Ah non, mais reste pas là, connard! Casse-toi! Casse-toi, pauvre con, comme dirait notre ami Nicolas. Je peux pas faire exploser les maisons là, donc je suis obligé de me taper le mec là. Faut que j'aille tuer le big boss. Oh là 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 là. Il m'a mis en colère. Et voilà, maintenant tu as mal à la tête. Bah, je sais pas si vous avez vu de la repro, mais moi j'ai pas le temps de regarder, donc je pense que ça se passait plutôt bien. Malgré la frénésie de ces combats béthesdiens, on va les appeler. Ah, il est là le chat, non? Oh là là, il va me faire mal lui, non? Tu cognes comme rat de cafard, c'est le cafard qui est irradié, il est super connu, c'est rat de cafard. Ah, c'est incroyable, hein. Hop. Ouais, c'est pareil là, au niveau de la rémanence, au niveau du canon. 80 ou 60, même combat. Yes. Alors. Si j'en fais péter une, normalement il va tout faire péter. À moins que celle-là soit déjà trop endommagée pour prendre feu. Donc c'est celle-ci. Non, c'est progressivement qu'il va le faire alors. Ah, champignon atomique suivi d'un autre champignon atomique. C'est la réaction. Enfin, elle se fait un peu attendre, mais vous allez voir que d'ici peu, ce camion va exploser, monsieur. Zizi, je vous le dis. Moi, je vais l'aider, hein, parce que là, il veut pas. Hein. Ah, que c'est beau, toutes ces couleurs et ces flammes. Chun, j'aime ça. Alors, il faut que j'aille voir les miliciens. Ça se donne bien, la milice. Ah, une sombre histoire d'un certain pays, le château. Bobby Pins, more effective than lockpicks. Il paraît, hein. Oh, le château des miliciens avec des trous partout. Et oui, il y a du potentiel. Plaza atomique. J'ose pas imaginer avec les mods remis en l'état et avec un super sampling supplémentaire. Ça doit faire la gueule, hein. Alors lui, il n'avait pas une blackface, hein, c'était pas un bug, hein, c'était juste le contraste du jeu qui est vraiment pourri. Qu'est-ce que c'est joli! Oh là là! Ah, après ça, j'essaierai de nager jusque là-bas. Heureusement que dans ce jeu, l'ambiance sonore est extraordinaire au niveau des bruitages et de la musique quand il y en a. Et là, il n'y en a pas. Pourtant, je ne l'ai pas coupé, hein, pour cause de copyright. J'ai oublié, mais je ne l'ai pas. Ok, ah bah dis donc, il est déjà sorti. J'ai même pas besoin de faire exploser les... Ah. Je les ai trouvés et ils ont pas l'air. Je me demande si tous les journalistes font. Ah oui, il y en a un qui m'avait tué la dernière fois. Voilà le travail. Voilà, au revoir les petits chiens-chiens. Oh, par contre, elle reste à côté parce qu'elle aime bien les explosions, elle aussi. Voilà, Piper, je vous ai dit, il ne fallait pas traîner. Quand il faut me suivre, il faut venir avec moi. Alors, hop, on était passé par là une fois. Les fleurs textures sanguines sont toujours aussi jolies, aussi... Oh oui, je l'oubliais, Bernard. Au revoir.
Et à bientôt. Bon, bah, qu'est-ce qu'il y a comme autre emplacement urbain qui rame? Ah oui, il y a le Diamond City, mais c'est à peu près la même chose que. Hop, hop. Tac, tac, que Good Neighborhood. Donc, Old North Church. Ok. Le repère Mercer. Bon, bah ben voilà, je vais couper. Je vais pas m'amuser à aller ailleurs. Hop. Je quitte le jeu. Paramètres vidéo. Ben, toujours 100%. Et là, par contre, on est à 40 images par seconde. Là, alors qu'on est chez Steam, hein, dans les menus. Hein. Allez comprendre. Chez Ivan ou Ivans. Alors, il était bien ce commerce? Voyons ça. Non, j'ai fait ouvrir la porte. Oh, il y a plein de mines. Ah, quel joli bug. Ah, il faut que je double-clique en fait pour choper les trucs. Est-ce que ça marcherait là? Non. Ah, mais comment je fais du coup alors? Faut faire fouiller? Waouh! Il y a plein de choses chez Ivan. Sauf que là, il peut pas. Mange, mange, voilà, ah, c'est bon. Ah, c'est fantastique. Fantastique. Et c'était juste à côté de notre château. Ah, ah, ah. Là, nous avons détruit la confrérie du bonheur et de l'acier. Tiens, je dois aller nager pour voir si je peux aller sur l'île ou s'il va me dire, vous avez atteint les limites. Là, c'était le fort que l'on a fait. Hop, qu'on a libéré des super mutants. Et je suis curieux de savoir si je vais pouvoir y aller. Ok, à quitter. Tac. Paramètres. Hop, on va se mettre à 80. 160.